C'est moi. C'est ici que démarre ce vlog. Putain, le vlog. Quel terme d'enculé, ça, vlog. Cette vidéo sponsorisée par Henneken avec des HK bien fraîches. Dis quoi? Genre là, je prends mon pied, genre, je mets un front de truc comme ça. Je sais pas s'il dégage du truc. Wesh. C'est pour toi, ça. Ouais, c'est carrément pour moi. Tu vas me l'acheter, du coup? Franchement, je peux pas t'acheter cette horreur. Je te l'achète normal. Franchement, moi, je le trouve beau. Franchement, c'est une horreur. Tu veux pas sortir avec ça? C'est bizarre, non? Putain, merde. Ils ont le droit de jouer avec ça? Il y a beaucoup de couleurs. Après, vu leur parcours, en vrai, c'est... En vrai, ça dérange personne. Par contre, je le trouve incroyable, moi, celui-là. T'es mal, moi. Ils se sont fait éliminer, ils coûtent plus que 20 balles sur Adidas. Ouais. Moi, son petit... Ouais, je suis... Son petit... petite saveur asiatique. Oui, je sais, première vidéo, la Coupe du Monde a commencé depuis 45 jours. Les phases de poule sont finies. En vrai, c'est une dinguerie de floquer son maillot Rocco, genre. Pas floquer le Mbappé, comme tout le monde. Sur le Qatar, tout va bien, il n'y a pas de soucis, la, non, la ville est belle. Il y a beaucoup de mosquées. Oui. Il y a trop de mosquées. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mosquées quand même. Hein. Une mosquée. Ici. Deux mosquées. Deux mosquées. Et juste derrière l'aéroport. Trois mosquées. Ça fait beaucoup. C'est une dinguerie d'être pour l'Angleterre par contre. Après, il n'y a pas de bière les gars, désolé. Il n'y a pas de bière à McDo. Ça, j'aime bien ça. On est au tabac. On est au tabac. Tabasco. Sous Panini sticker. Par contre, les verres ils tuent sa mère et tu veux pas en prendre parce que tu fais le crevard. Tu non, fais ça le a rien à voir. C'est au stade, on va se faire recaler. Frère. Mais non, on le met dans l'autre sac. C'est un objet à ustensile jetable. Tu peux le jeter. Si tu montres un Polonais dans tout le pack opening, ça veut dire que la Pologne gagne. Ah ouais? Un Polonais. Un Polonais, juste un Polonais. Oh, c'est dingue ce que tu dis. Soupo. Oh putain, non. Ça a commencé par peau, mais c'était fort. Ouais, ça c'est bien ça. Ouais, ça me plaît ça. Ouais. Par contre, Timo Werner, je crois que c'est le seul qui me manque en Allemagne, ça j'aime bien. Tu peux checker ça. Après, le seul gros débile qui a ce livre au Qatar, c'est moi. Ouais, je suis ballon, j'ai tout. Oh putain. J'ai tous nos adversaires du soir. Bah, dans le stade, on saura qui a le ballon. Bah, t'inquiète pas que dans le stade, je vais être comme As. Dès qu'il y a un mec qui aura la balle. L'équipe de France. Je suis manque qui là? Il manque Tchouaméni. Un madrilène. Après, les trois quarts des joueurs que j'ai dedans, ils jouent pas. Kanté, il joue pas. Pogba, il joue pas. Benzema, il joue pas. Ben Yedder, il joue pas. Tu fais quoi? Brahim, tu veux un truc? Bah ouais, je veux une pâtisserie, mais je veux pas ça. Non, mais ça c'est pas pour moi, c'est pour moi. Non, mais tu peux t'en prendre combien là? Quoi? La Coupe du Monde, c'est fini dans 10 jours. Si j'ai pas fini dans 10 jours, c'est mort. Je crois que c'est 100 maximum. Tu veux une pâtisserie? Ouais, je veux une pâtisserie, mais je veux pas de cette merde. Ah. Ouais, je me dis, allez, vas-y. Sous Coupe du Monde, vraiment, sous Brésilien. En vrai. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller balayer des gamins? Il y a des ballons, tu peux frapper fort. Tu sais que moi, quand j'étais en CM2, on jouait contre les CP, genre. Ça jouait physique. C'est le classico, ça. C'était CM1, CM2. Ça. Mais j'avoue, moi, c'était plus contre les CP que je m'envoyais. Enfin, contre les CP, tu peux faire ce que tu veux, c'est toi le plus grand, genre. Tu te balayais, tu vas rien dire.
Regarde-moi, il va rien se passer. Salut tout le monde, c'est Paoletta, j'espère que vous allez bien. On est où? On est... Non, on est pas au 7-7, on est au Qatar, j'ai plus que 2% de batterie, j'ai le droit qu'à une prise. Mais c'est le métier de youtubeur, c'est facile. Même si t'as pas tourné de vidéo depuis 3 mois. Bon, je devais normalement aller voir la Coupe du Monde phase de poule, mais il y a eu des petits problèmes, je vous raconterai ça plus tard, avec le visa. Et on est là, regarde, Neymar. C'est pas Mahrez ça? Mahrez, bizarre. Franchement, c'est la Coupe du Monde, genre. Première Coupe du Monde, ça y est, on va vivre la Coupe du Monde. France-Pologne ce soir. 18h heure locale. Bon, autant vous dire que les Polonais, ça dégage. J'espère que cette vidéo va pas mal vieillir. Parce que bizarre, tu viens à la Coupe du Monde, la France sort direct. Curieux. Mec, Qatar. Ouais, j'ai un beau t-shirt. Alors, ça, c'est mon guide. France-Pologne. Altoumama Stadium. On y va? Je suis chaud. Montage. Je zoome sur Altoumama. Vas-y. Vas-y. Boum. On est d'accord, c'est lui, hein. Altoumama sous le petit mama, genre. Ouais, je crois que c'est lui, hein. Thank you, boss. Ah, non. Alors, la légende des faux supporters, c'est vrai, les gars. Je vous le dis gentiment. Tous les mecs qui ont des trucs de l'équipe de France, curieux. Bah alors, pour enfoiré, comment on se retrouve? Alors, comme ça, on est dans les loges à Bernabeu et on va avoir un match de Coupe du Monde. Putain, heureusement que je coupe la caméra, parce que s'ils savaient que le concours il avait été truqué de bout en bout. Je commence à recevoir des messages de vérité, ils commencent Mais vous entendez un peu trop bien là, hein. Mais j'ai l'impression que vous vous connaissez déjà avant Madrid. C'est bizarre un peu. Après par contre ce t-shirt tu le mets vraiment tout le temps et c'est une dinguerie de mettre un t-shirt LGBT alors que t'es au Qatar. Wesh. Wesh, donne ça. Numéro 10 sur le raté, Dybala. Ça me rappelle France-Espagne, les 2 minutes de la minute que j'ai passé. Oui. T'as quand même pas joué beaucoup pour te rappeler. Après, ça. Après, je tourne à ma droite, belle vue. Sa veste multicolore, lui, il rentre pas. Lui, il va pas rentrer. Bah, il va essayer, hein, mais il aura des problèmes. Il devra acheter sa veste. Vraiment. Et ce soir, on est sénégalais. Ton Galsen. Ton Galsen. Ton Galsen. Ça te fait rire, ça, hein? Ça te fait rire. Le vert, je prends un bout de tissu, je tourne. Putain, des beaux flocages, j'aime bien, voilà, c'est ça le football, mon pote. Des mecs qui floquent des maillots Riquelme. Et toi, t'as déjà vu un match de Coupe du Monde? Jamais de la vie. Parce que là, tu sais que tous ceux qui vont regarder la vidéo n'ont jamais vu un match de Coupe du Monde. C'est la première fois de ma vie et c'est la première fois de ta vie. C'est chanceux en vrai. Comme c'est la première fois de notre vie qu'on est allé en VIP à Madrid. Ça, c'est vrai. Un beau concours. C'était incroyable. Ah, franchement, j'ai eu de la chance. En vrai, qu'est-ce qu'on pense de France-Pologne en étant politiquement correct mais honnête? C'est pas l'affiche qui nous fait le plus bander au monde. Franchement, mais bon, au moins on est sûr de voir un match de Coupe du Monde. En fait, c'est ça, on s'est dit, non mais vas-y, on va avoir une meilleure affiche en quart. Mais imagine, on va pas... Surprise comme en Suisse, Euro 2020. On prend pas de risque, les pieds à Polska, ils seront dans le stade. C'est toi qui a hacké le PSN, sale enculé. Ah ouais. Tu m'as empêché de jouer à Call of pendant un mois, j'étais comme un ouf. Mexico, Chicharito. Je m'en tape, salut quoi, tranquille. Ça va ou quoi les gars? Tranquille. Marocco. Ça va ou quoi? Ça va, bien. Un beau stade, hein, bien neuf. Bon, allez, faut chanter la Marseillaise, viens, on court. Quickly, Mbappé will score. Ouais, je suis cavale comme un cheval. En retard, sa mère. Oh là là. Playing of the national anthem of France. Bon, bon, bon. Ce maillot, c'est le plus beau maillot de l'histoire de l'équipe de France. Je le dis, celui-là est exceptionnel. Allez ! Wesh !
Alors là, on a des arabes récalcitrants. Ça, là devant. Ah, récalcitrant. Benzema, Benzema. Il n'y a que du Benzema. Là. Que du Benzema. Et Benzema, et, bah, il est pas là. Wow. Moi, j'ai une source qui me dit que si ça va en finale, il revient. Et si ça gagne la Coupe du Monde, il fait nickel un sextape de Van Gogh. C'est exceptionnel. On continue! Vous avez du bon de Ligonnès, ils ne savaient pas qu'il allait rechercher ou quoi? Ouais, ils croyaient au Qatar, il est immunisé là! Ça se passe pas comme ça! Les Bleus! Les Bleus! Les Bleus! Allez Raphaël! Allez Théo, pense à ton frère! Allez Adrien, pense à ta mère! Noé, est-ce que tu te rends compte de la chance que t'as? Moi, à ton âge, je pouvais même pas regarder la deuxième mi-temps. T'es au stade pour la Coupe du Monde. Tu vas dormir à minuit, à ton petit âge. Incroyable, si tu veux enlever ton pied, c'est pas parce que le stade va être détruit dans 10 jours que tu vas laisser. Bah ouais. On peut pas perdre contre une équipe où il y a un mec qui s'appelle Krikoviak, c'est impossible. Les Bleus! Les Bleus! Les Bleus! Minable, minable Robert, minable! Robert, la Coupe du Monde, elle est filmée! Hein. Robert, tu es nul! Tu es nul, Robert! Tu es nul, Robert! Robert est vivant! T'es dans sur TikTok, minable! On va pas te louper, Robert! Avec tout le respect que j'ai pour les stadiers, lui, je lui mets une soupape, il me voit plus pendant. Pendant 3 minutes. Champion du monde. La 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 la. Champion du monde. Les supporters sont là. Allez, les bleus. Les supporters sont là. On peut pas perdre des danses comme ça dans le Qatar. Beau déguisement. Le déguisement est magnifique. Magnifique. Après. Le déguisement est somptueux. Incroyable. Palmarès de ce mec. Il sait ce qu'il fait. Content. Mais que je recifle 35 km/h. Putain, il va vite le con. À Paris, il se fait flasher le con. Robert, tire-moi dessus. Robert, tire ici. Dégine-moi, Robert. Robert, s'il te plaît. Pourquoi? Oh, c'est tous les 4 ans! Wesh! Wesh, non! Wesh, non! Wesh, non! Loris, mets-toi le cul! Mets-toi le cul, Loris! Oh putain, vive la France! Tu vas en Coupe du Monde avec Geek titulaire, on va te faire enculer! Regardez la technologie, regarde bien! Là, on scanne le terrain. Terrain reconnu. Préparation de l'expérience, oui. Là, Giroud. Oh, c'est une dinguerie, Giroud. Le bon vieux Jules Koundé. Là, le gardien. Et ils t'ont dit que Jules Koundé, il avait une chaîne autour du cou, hein.
Allez Giroud. Kylian. Allez Titi. Kylian. Allez Titi. Pas quoi, oh, le con. On embrasse sa grand-mère. Xavier Dupont-Ligonnès, vraiment, il est comme un ouf. C'est qui rentre, Blachikovski? Swarovski ou Podolski, quoi. Kavianski, des trucs bizarres. T'es con ou quoi, Rebeu des Terres, là? Oh, t'écoutes du rail ou quoi? Il y a le match, là. Ton quart de pavard, hein, maman. Allez, chauffe-toi, tu vas pas rentrer. C'est bien, Robert. Lewandowski. Oh, Robert, on se tient. Allez, Marcus, travaille. Vas-y, Marcus, travaille. Travaille-le. Travaille-le. C'est une merde. Palmarès de la Pologne, tu chiales, tu dégueules, tu chiales. Robert, t'es minable. Robert, t'es minable. T'es minable. Je sais rien, pour lui en laisser combien à ce bâtard là. Minable. Un petit drapeau de l'Algérie, ça fait toujours plaisir. Ah oui. Et il est content. Il est content. Il va célébrer. Il est content. Attends, la punchette sur Benjamin Mendy, on va bien rigoler. Amenez la coupe à la maison. Allez, le bleu, allez. Maestro Kipembe. 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 Kipembe.
je crève la dalle quoi. Bon, vas-y. We are the dreamers. Numéro 4 en 2006, c'était qui? C'était Thuram ou Galas. T'es en train de dire que c'est un joueur noir? Vieira. Encore un malheureux hasard. Un malheureux hasard. De toute façon, dans le foot, les meilleurs, c'était les Noirs et les Arabes. Kylian! Oh, Kylian, arrête de faire le mec, tu connais pas! Oh, Kylian, mec! Où ça, tu connais? On a joué au foot à deux, frère! Non? Nico, qu'est-ce que t'as pensé du match? C'était bien, quoi. Franchement, c'était pas comme un match du Paris Saint-Germain, mais... Ah ouais, non, là, par contre, tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule? Je mets bien, Kylian, je... Vas-y, limite. Oui, c'est vrai qu'on a fait un bon match. Maintenant, on se concentre sur le quart de finale contre probablement l'Angleterre. Et pourquoi pas le Sénégal? Non, le Sénégal, c'est une très bonne équipe. De toute façon, le football, il a changé. Vive la République et vive la France. Bon, bah, je crois qu'on va être obligé de revenir pour les quarts. Hein. Les gars, je compte sur vous pour niquer la barre de like si vous avez kiffé cette petite vidéo. C'était lourd, premier match de Coupe du Monde. Peut-être pas le dernier. Est-ce que ça rentrerait pas sur le terrain là? En vrai, il n'y a plus personne, c'est bon là. Une envie là. Il y a le poteau là, mais toi tu parles trop. Ouais, pardon. Je suis en live en fait. En vrai, caresser la pelouse, ça me ferait plaisir. Là, il va me faire une petite réflexion si je dépasse la ligne là. Si je dépasse ça, alors. En vrai, je suis journaliste, en vrai. J'ai chaud. Il démarre. It's not possible to touch just 1 second. No. When? Just 1 minute. Where are you from? Huh? Where are you from? Morocco. Yeah. Morocco will win the World Cup. Yeah. If I touch the green... Morocco win the World Cup. Allez. Ça se voit qu'il a envie, c'est un bon. Je l'ai ouais, fait. Il a envie, mais il peut pas. Bon les gars, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit. C'est comme ça. Faut écouter en vrai. Surtout au Qatar. Vaut mieux écouter. Si ça tenait qu'à moi, je tiendrais la main à Brahim. Heureusement, j'ai pas le droit. En vrai. Du Qatar, vraiment. Bon, il y a quelqu'un qui est en train de se diriger vers nous. On doit couper la caméra. Coupe ta caméra. En vrai, c'est lourd de ouf parce qu'en France, dès que le match il est fini, ils te cassent les couilles pour te barrer du stade. Ici, j'ai l'impression qu'ils s'en battent les couilles. Alors là, si je veux, je rentre sur la pelouse. En vrai. Rien à dire. Les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Franchement, c'était lourd. Premier match de Coupe du Monde, 3-0. Franchement, si techniquement, je vais voir tous les matchs, on gagne la Coupe du Monde. Eh oui, troisième étoile. How are you, boss? Désolé. Good? Non, pas de problème. Parle bien français. Hein. Parle mieux français que Neymar. Et ça, c'est bon. Niquez la barre de like si vous voulez qu'on aille voir l'écart, en vrai. Si vous voulez niquer, on va être obligé d'aller voir l'écart. France, Angleterre ou France-Sénégal? Moi, franchement, je préfère France-Sénégal. France-Sénégal, c'est plus beau. Et France-Angleterre, on va les battre dans tous les cas. Voilà, la nation la plus surcotée de l'histoire. Putain, le stade est magnifique. C'est beau. Y'a pas moyen j'aille rechercher mon livre Panini là. Vous rendez pas compte comment je vais mal dormir là. Belle soirée. Les gars, on se retrouve très vite sur YouTube. Direction les quarts de finale.